Now I'd like to talk a little bit about the film Le Rond. This film was actually shot here in Canada, in Ontario, in Sault Ste. Marie, believe it or not. And we've got from a local cast, and they are, they haven't yet quite arrived, so they will be here for the Q&A afterwards. So that'll be very, very exciting. But this film was produced by four very close friends of the festival, very close friends of mine as well, Kevin Scotta, Caroline Benjo, Jennifer Weiss, and Simon Erdl. So I'd like to thank them. Bonsoir. Je suis très ému d'être là ce soir parce que je repense à ce qui s'est passé il y a exactement un an. J'étais encore en train de tourner quelque part autour de Toronto. Avoir la chance d'être ici ce soir pour une première mondiale, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait on revient un peu sur les lieux du crime et j'avais très très envie de partager ce grand moment avec permis ces retrouvailles. I wanted to thank the festival to allow us to meet you again tonight. Je voulais remercier évidemment mes productrices, alors Caroline Benjo, Carole Scotta, avec qui je travaille depuis bientôt 15 ans. En espérant qu'on se retrouve après, puisqu'on va être tous là pour répondre à vos questions. And now I'll stay quiet, let you enjoy the movie, and we'll find you after the movie to answer your questions. Merci beaucoup. We already know it. Yeah, but we could forget. We will probably end up forgetting. We had to write it all down. The dates, the places, the names of our targets, the reasons why we struck. Everything that's important, exactly like it was. For if we didn't watch out, Foxfire would slip away from us. Those rough kids cross a line. I'm afraid I'll never understand, baby. Tout ça, je pense, est le résultat d'un très long travail en amont. C'est-à-dire que je passe énormément de temps à faire un casting très très poussé et que par la suite, on passe beaucoup de temps aussi à apprendre à se connaître, à répéter des scènes, à improviser autour des scènes. Et progressivement, une confiance s'installe qui fait que les acteurs ou les actrices n'ont rien à me prouver et qu'elles se laissent aller aussi à ce qu'elles sont. C'est vrai que j'ai toujours envie, moi, d'exploiter la personnalité réelle de mes acteurs plutôt que de fabriquer des personnages qui leur seraient totalement étrangers.